Époustouflante mise en lumière de Notre-Dame de Paris. Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, une scénographie projetée sur la façade de la cathédrale Notre-Dame de Paris rend hommage au bâtiment mythique et à son histoire, jusqu'au 11 novembre. Une mise en scène stupéfiante. En direct, pas d'accord européen sur l'avenir du glyphosate. C'est la fin de ce direct, merci pour toutes vos questions. Retrouvez les synthèses et analyses du monde et le reste de l'actualité sur notre site. Jeune femme tuée et défigurée dans le Jura, un suspect interpellé. Un homme soupçonné d'avoir tué une jeune femme d'une vingtaine d'années, retrouvé défiguré par les coups dans un bois du Jura en décembre dernier, a été interpellé au terme de près d'un an d'enquête en collaboration avec la police suisse, a-t-on appris jeudi de sources judiciaires. Nouvelle plateforme, APB, ce qui va changer pour les bacheliers. En vigueur à compter du 15 janvier, la nouvelle plateforme APB doit permettre aux bacheliers de formuler 10 vœux jusqu'à la fin mars. Il n'y aura plus de tirage au sort, les élèves n'auront plus à classer leurs vœux par ordre de préférence, et il n'y aura plus de tour pour les réponses à leur candidature, promet Frédéric Vidal. Une manière de mettre fin aux angoisses parfois interminables de certains lycéens sans affectation universitaire.